et Haïti, explorer des grottes, trouver de nouvelles grottes en Haïti. Et donc, ce projet d'exposition est venu parce que pour chercher des grottes, je suis allé regarder dans les archives. Quand on lit Moreau de Saint-Méry, on voit qu'à Baradère, il décrit des grottes. Déjà, il y a 250 ans, il décrit des grottes. Qu'est-ce que je fais? Je lis Moreau de Saint-Méry, je vais à Baradère. Et là, je cherche les grottes qu'il décrit. Je lis d'autres poésies qui nous parlent aussi de grottes. Et là, je me rends compte qu'effectivement, entre les grottes sont vraiment une partie intégrale de la culture haïtienne. Et toute cette recherche bibliographique que j'ai faite, puis cette recherche de terrain, puis cette recherche esthétique avec ces photos, ça a créé quelque chose d'assez unique. Et c'est, en fait, en Haïti, il y a des grottes partout, et tous les Haïtiens le savent. Et c'est Carole de Villers, qui était photographe, qui est ma tante, et qui m'a dit un jour, Olivier, tu explores des grottes partout dans le monde. Pourquoi est-ce que tu ne viens pas en Haïti? On a commencé en 2009, et on a commencé à explorer des grottes dans la Grande Anse, dans le sud, dans le sud-est. On a trouvé des choses exceptionnelles. Et depuis ce temps-là, depuis maintenant 8 ans, on fait des photos. On explore des grottes, on a trouvé plus de 250 grottes en Haïti. Et ce travail inspire beaucoup de monde. Et tous les Haïtiens qui voient nos photos sont vraiment émerveillés. Ils se disent, mais dans quel pays sont ces merveilles? C'est en Haïti. Et quand j'ai montré ces photos à Clotaire Saint-Denis, ça lui a inspiré un poème. Et j'en suis très reconnaissant. Donc depuis le début de nos recherches, on travaille avec le Bureau National d'Ethnologie qui, en Haïti, est l'organisme qui a la responsabilité de gestion du patrimoine des grottes. Et donc c'est l'organisme qui nous donne la caution pour poursuivre nos recherches. Ensuite, l'État haïtien s'investit depuis un an par l'intermédiaire du ministère du Tourisme pour la valorisation de ce patrimoine, pour qu'il y ait des retombées locales. Dans mes copains. J'explore des grottes, je fais de la photo et actuellement on travaille avec le ministère du Tourisme en Haïti pour développer des produits touristiques liés aux grottes. Et on a, sur tout le département du Sud, équipé, aménagé des grottes et des canyons pour une pratique sportive et touristique, pour faire venir des gens qui puissent voir toutes les merveilles. On est deux commissaires, il y a Stéphanie Jaloux qui est à Montréal et moi-même qui a remonté cette exposition. Il y a en 2015. Elle a été montrée pour la première fois à l'UNESCO à Paris, puis ensuite à Montréal, et elle a fait le tour de tout Haïti avec Silette. Alors, le concept de base, le titre de l'exposition, c'est Grotte d'Haïti entre imaginaire et réalité. Parce qu'on a essayé de lier l'imaginaire haïtien qui est lié aux grottes. Dans beaucoup de livres, de textes, de poésie, on trouve des références aux grottes. Des légendes haïtiennes, la légende du vent, des histoires aussi avec Timalis dans les grottes. Et c'est ce que nous avons essayé de montrer, ces légendes et la réalité des grottes. On a ici les premières photos des grottes, et c'est quelque chose à voir plus que moi. Donc ce travail, c'est tout d'abord le fruit de 5 années de recherche, donc 7 missions de recherche dans les différents départements d'Haïti, pour explorer, pour trouver les grottes, faire des photos. Et ensuite, ça nous a pris une année pour concevoir l'exposition, récolter les textes, faire réciter des poèmes aux artistes et arriver à monter tout ça. Donc, l'exposition qu'on voit ce soir, c'est une partie de l'exposition qui a été présentée à l'UNESCO. Et c'est pas la même scénographie, puisque c'était pas du tout le même type de lieu. Donc aujourd'hui, on a une présentation assez simple avec une mise en scène vraiment, vraiment simple, mais qui permet de se rendre compte justement du cœur de notre travail qui sont les photos.